Salut, tu es consultant ou formateur indépendant et tu te demandes comment améliorer ton e-réputation sur LinkedIn pour attirer plus de clients. Tu as l'impression que tu n'existes pas sur ce réseau parce que tu ne publies pas souvent ou régulièrement et que ton profil n'est pas à jour. Eh bien, tu es au bon endroit aujourd'hui car je vais te montrer comment booster ton e-réputation sur LinkedIn pour attirer plus de nouveaux clients. Mais avant de commencer, dis-moi, es-tu prêt à faire briller ton profil LinkedIn et à te faire remarquer par les bonnes personnes? Si la réponse est oui, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais aussi te partager une astuce bonus. N'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Ancienne cadre démotivée, j'étais enfermée dans une routine pénible qui ne me convenait plus. Alors en 2017, après la naissance de mon fils 2 ans plus tôt, j'ai pris une décision radicale. J'ai mis fin à mon contrat en CDI pour me lancer en tant qu'indépendante. Je suis passée par de nombreux essais, erreurs, mais heureusement, beaucoup de persévérance et ça m'a permis de trouver la clé de LinkedIn pour y générer mon premier client à 9 100 euros, mon client le plus fidèle à 50 000 euros et me générer une source de revenus fiable pour vivre sereinement de mon activité. Mieux encore, ça m'a permis de réaliser mon rêve de m'installer à New York en 2021. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec toi ma méthode, pour t'aider à construire ta propre marque, à attirer tes clients idéaux sur LinkedIn et à vivre pleinement de ta passion sans craindre de devoir retourner sur le marché du travail. Voilà, donc prêt à faire de LinkedIn ton allié, on va commencer. Et si tu cherches une solution personnalisée pour te faire une place de choix sur LinkedIn, booster ton e-réputation, réserve un appel stratégique avec moi. On verra ensemble comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs grâce à mon programme, l'accélérateur LinkedIn. Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour booster ton e-réputation sur LinkedIn. Je vais te parler de ces 3 points clés dans quelques instants. Okay? Donc, mets à jour ton profil LinkedIn, fais des publications régulières de qualité, utilise la vidéo pour renforcer ta marque personnelle et ton e-réputation. Donc, et toi, quel effort as-tu déjà fait pour améliorer ton e-réputation sur LinkedIn? N'hésite pas à me partager ton expérience dans les commentaires. Donc, premier point. Mets à jour ton profil LinkedIn. Avoir un profil à jour est primordial sur LinkedIn. C'est la première chose que tes prospects voient quand ils visitent ton profil. Il doit être complet, professionnel et donner une bonne impression de toi. Prenons l'exemple de Sylvie, une cliente à moi, qui est médiatrice d'entreprise. Elle avait besoin d'accroître son nombre de missions et de nouveaux clients en 2023. Malgré sa réticence naturelle à la prospection, elle a décidé de rejoindre mon programme, l'accélérateur LinkedIn, puis elle a actualisé son profil avec mon aide en le rendant plus cohérent avec son actualité et sa proposition de valeur. Cette mise à jour, a permis à Sylvie d'augmenter sa visibilité sur LinkedIn et aussi, son e-réputation. Et toi, quand as-tu mis à jour ton profil pour la dernière fois? Deuxième point donc. Faire des publications régulières de contenu de qualité. Publier régulièrement sur LinkedIn est crucial pour ton e-réputation. Ça montre que tu es actif, engagé et à jour sur les tendances de ton secteur. Sylvie, après avoir appris à rédiger ses premiers posts et à organiser sa prospection régulièrement, elle a réussi à créer de l'engagement auprès de ses prospects. Elle a même réussi à décrocher un rendez-vous après avoir contacté seulement une dizaine de personnes sur LinkedIn. Cela illustre bien le pouvoir d'un contenu de qualité et bien ciblé.
Et toi, quel type de contenu pourrais-tu publier pour montrer ton expertise? Troisième point, utilise la vidéo pour renforcer ta marque personnelle et ton e-réputation. La vidéo est un outil puissant pour renforcer ta présence en ligne et ton e-réputation sur LinkedIn. Elle te permet non seulement de partager ton expertise de manière dynamique et engageante, mais aussi de montrer ta personnalité, ce qui est essentiel pour construire une marque personnelle forte en ligne. Sylvie l'a parfaitement compris. Malgré ses réticences initiales, elle n'avait jamais réalisé de vidéo auparavant. Elle a osé franchir le pas avec moi. Et ces vidéos lui ont permis de transmettre son message de manière authentique, renforçant ainsi sa marque personnelle et son e-réputation. Cette démarche a également montré à son réseau qu'elle était prête à sortir de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs. Et toi, es-tu prêt à utiliser la vidéo pour renforcer ta présence et ton e-réputation sur LinkedIn? Dis-moi ça en commentaire. Voilà donc trois points clés pour booster ton e-réputation sur LinkedIn. J'espère qu'ils t'aideront à te démarquer et à attirer plus de clients. Et si tu cherches une approche plus personnalisée et stratégique, et tout mon soutien aussi, je t'invite à rejoindre mon programme L'Accélérateur LinkedIn. Dans ce programme, nous travaillerons ensemble pour renforcer ton e-réputation afin d'attirer plus de clients pour ton activité. Pour réserver un appel stratégique avec moi, il te suffit de regarder les liens dans la description de cette vidéo et de réserver un appel avec moi. Voilà, ça me fera plaisir de te connaître. Et maintenant, je te partage une astuce bonus. N'oublie jamais que ta réussite en tant qu'entrepreneur indépendant dépend autant de ton état d'esprit que de tes compétences techniques. Cela signifie être prêt à sortir de ta zone de confort et essayer de nouvelles choses et à continuer d'apprendre et à grandir. Comme Sylvie l'a démontré avec la bonne méthode et le bon accompagnement, tu peux accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Alors, n'hésite pas à te lancer et à te réinventer. Après tout, le meilleur moyen de prévoir l'avenir est de prendre des actions concrètes pour le créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Ton soutien m'aide à continuer à produire du contenu gratuit pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et bien entendu, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur LinkedIn qui s'affichent maintenant sur ton écran. Voilà, je te dis à bientôt.